Patrick Boucheron, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je reçois un phénomène. C'est ainsi que vous qualifiez le Monde Magazine le phénomène Boucheron. Et si on les croit, vous séduisez le grand public autant que vous exaspérez le philosophe Alain Finkelkraut ou le polémiste Eric Zemmour. Vous êtes professeur au Collège de France, vos conférences font salle pleine, vos livres d'histoire se vendent comme des best-sellers. Et sans raconter n'importe quoi, vous avez été reçu premier à l'agrégation d'histoire. Et les auditeurs de France Inter, vous avez entendu tout l'été dernier avec votre feuilleton quotidien Un été avec Machiavel. Le recueil de ces textes. Et désormais disponible aux éditions des Équateurs, coédité par France Inter. Je vous cite on a voulu se débarrasser de Machiavel en inventant le machiavélisme. Expliquez-nous, parce que moi je pensais que les deux étaient totalement imbriqués. Mais non, le machiavélisme, c'est une manière effectivement de se débarrasser de Machiavel en le caricaturant. Et vous avez tous les mots qui se terminent en isme commencent mal, si j'ose dire. Le... Non, mais euh... attendez, le marxisme, c'est quand même la doctrine de Marx. Oui, mais ça devient aussi assez rapidement euh, une manière de ne pas parler de Marx. Et d'ailleurs. Pour parler de Marx lui-même, on va dire marxien. Alors quand on veut résumer Machiavel à un élève de troisième pour lui dire euh, qu'il est grossièrement, on lui dit tu vois, Machiavel, c'est la fin justifie les moyens. Or, j'apprends en vous lisant qu'il n'a jamais écrit cette phrase. Non seulement il l'a jamais écrit, mais il n'a même pas pu y penser. Pourquoi, Pourquoi ah bah... Eh bien justement parce que pour lui la fin ne peut pas justifier les moyens parce que quand vous agissez politiquement, vous ne connaissez pas la fin. Donnez l'exemple de Romulus et Rémus qui auraient, dit la légende, fondé Rome. Et un frère tue l'autre. Oui, Romulus tue Rémus. Et donc ce sont les deux fondateurs de Rome qui sont en même temps fratricides. C'est une histoire terrible. Il vaudrait mieux ne pas s'en souvenir. D'ailleurs, les chrétiens préfèrent ne pas s'en souvenir. Mais Machiavel, lui, veut regarder en face la violence de la politique. C'est-à-dire le fait que quand on fonde... Quelque chose, on n'est pas dans son droit et que c'est la violence qui crée le droit. Alors, d'une certaine manière, ils fondent une ville, ils fondent un empire. Donc, Romulus a raison de tuer son frère, mais il a raison si on sait que ça a marché. Or, au moment où il le fait, il ne connaît pas la fin. Donc, les moyens ne peuvent pas l'excuser. Et c'est pour cela que pour Machiavel, la politique, c'est toujours une philosophie de la nécessité qui vous met en demeure de ne pas savoir les conséquences de vos actes. J'ai appris aussi grâce à vous que le livre qu'on appelle le prince ne s'appelle pas le prince à l'origine, mais de Principatibus. C'est du latin, c'est comme ça que je prononçais moi. Il y, y a très longtemps, à, au XVe siècle, des Principatibus, oui, voilà. C'est mmh. du latin, ça signifie en français des principautés. Pourquoi le titre a-t-il changé eh bien parce qu'on a fait de ce livre qui était un livre très particulier, qui ne s'adressait qu'à des princes singuliers du Moyen Âge, de, entre le Moyen Âge et la Renaissance, qui étaient des, des créateurs d'État, euh, et dont euh, Machiavel voulait, au, fait, au fond, il voulait apprendre à ceux qui avaient conquis l'État à le conserver. Chapitre 12, je vous donne le titre, Comment lire le prince C'est une très bonne question. Je tourne la page et je lis ceci. Au fond, nous ne savons pas vraiment comment le lire. Il ne faut pas faire ce titre, comment lire le prince et vous ne nous donnez pas la réponse. Mais parce que vous savez, les textes anciens ne nous viennent pas avec leur mode d'emploi. On a une question toute simple et qui est très saillante chez notamment les auteurs romains. Est-ce qu'ils ne se moqueraient pas un peu de nous Machiavel, c'est un blagueur. Machiavel, lorsqu'il décrit des choses énormes, peut-être que d'une certaine manière, il parodie quelque chose que nous ne connaissons pas. Et donc, euh, rien n'est plus difficile pour un historien de saisir le moment où son auteur blague. Vous avez rédigé les textes de ce livre il y a un an, oui. puisque ça passait sur France Inter l'été dernier, et vous écrivez ceci page 35. Le 19 juin 1498, trois semaines après l'exécution de Savonarole, le Grand Conseil confirme Machiavel dans ses nouvelles fonctions ils s'entourent d'une petite équipe qui le suivra jusqu'en 1512, aucun n'a 30 ans, ils sont juristes et fin lettrés, ils sont surtout affamés de travail, de pouvoir et d'amitié et on a l'impression de voir à l'œuvre Emmanuel Macron et sa jeune équipe dans marche. Et on a l'impression en effet quand j'ai relu ce, cette page, ça m'a un peu surpris. Ça prouve au fond qu'avec Machiavel, on a toujours intérêt à le lire au futur. Évidemment, c'est un auteur ancien, il parlait de 1498, il y a bien longtemps et en même temps, c'est ça qui est passionnant chez lui et c'est pour cela que tant de gens le lisent c'est qu'ils ont l'impression que ce dont il parle n'a pas eu lieu mais aura lieu et là ah pour même le aussi coup, un an plus tard c'est tout à fait saisissant Patrick Boucheron avec nous sur France Info on se retrouve tout à l'heure.